J'ai une bosse. Si quelqu'un a une astuce pour faire des queues de cheval sans bosse. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais tester des objets un petit peu what the fuck et des jouets que j'ai achetés quand je suis partie au Japon l'automne dernier. Pour la plupart, je les ai trouvés au 100 Yen Shop à la boutique Daiso. Donc c'est un peu un équivalent de tout à 10 balles, sauf que ça fait à peu près 80 centimes d'euros. Je pense pas que j'aurai le temps de tout vous montrer dans une vidéo, donc je pense que je vous en ferai une deuxième. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, ça me fait très très plaisir et comme vous le savez, ça m'encourage. Donc voilà, merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et c'est parti! Premier objet que je vais tester, je ne sais absolument pas ce que c'est, ça m'a beaucoup intriguée. Ça s'appelle Face Trainer. Train your face muscles for 2-3 minutes each day. Ok, donc c'est un truc pour se muscler le visage. Je vais quand même aller le laver. Je sais même pas comment ça se met ce truc. Il y a deux sens en fait. Ah, ça doit être comme ça. Je vois que je dois faire. Bon, je vais goûter la lingue. Ça veut baver ce truc. Je bave. C'est dégueulasse. Je crois que je suis ridicule. Il y a écrit qu'il faut le faire 2-3 minutes. Bon, ça fait effectivement travailler les muscles. J'ai l'impression que ça me fait travailler vraiment là. À part ça, je sais pas trop quelle est l'utilité finalement de se muscler les muscles ici, là. Deuxième test de cette vidéo, il s'agit d'un slime transparent. J'espère vraiment que c'est du slime, je sais pas, d'après la photo, on dirait. Il y a des petites perles à l'intérieur. Non, mais il est vraiment transparent. C'est ouf! Par contre, il est pas très mou en fait, il est quand même assez rigide. Mais après, ça n'empêche qu'il est quand même cool. Je crois que c'est surtout ça qui est génial. C'est de le voir comme ça s'étendre. Oh là là, j'adore. J'espère qu'il va bien se remettre et redevenir transparent. Mais j'ai mis plein de bulles d'air. Ensuite, j'ai acheté cet appareil qui fait vraiment partie des best-sellers apparemment du Daiso, donc toujours à 100 yens. Et ça va servir à retirer les petites bouloches qu'on a sur certains vêtements. J'en ai apporté un parce que c'est un pull que j'adore et qui a bouloché parce que je l'ai mal lavé. Donc du coup, bah, j'espère que ça pourra me le sauver. Je crois que ça fonctionne avec des piles et je pense pas qu'elles sont fournies avec. Ouais, non, elles sont pas fournies, c'est quoi? Je vais tout casser, moi j'ai enlevé ça violemment. Ah oui d'accord, il y a une sorte de rasoir en fait à l'intérieur. Ouh là là, Mei a eu peur. Donc voilà le pull en question, je sais pas si vous allez le voir, mais il est extrêmement bouloché. Ah, je fais tout tomber. Je pense que ça se voit bien, c'est vraiment, il y a plein de bouloches. Le tissu est tout doux. Je vais le faire partout. C'est génialissime ce truc. Il vous faut ça dans votre vie. J'ai même pas fait un petit bout de manche. Le truc est déjà rempli de petites bouloches. Regardez ça. Vous voyez, ça fait comme de la petite moumoute. Je pense qu'en plus, vous allez vraiment voir la différence en fait. C'est incroyable. Bon, je pense que ce truc va littéralement révolutionner ma vie. Super achat, si jamais vous partez au Japon, je vous conseille ce truc-là. Ensuite, je vais tester ça. J'ai vu ça pareil dans les rayons des enfants. Et en gros, ça fait une sorte de slime qu'on peut gonfler avec une paille. J'espère que je vais réussir à faire le mélange. Je sais même pas ce qu'il y a écrit sur le paquet. Donc d'abord mettre le rose et ensuite mettre le blanc. C'est un peu visqueux comme texture. Hop, oula. Pendant je ne sais combien de temps, 2 minutes. Ça, c'est le genre de truc que j'aurais adoré faire quand j'étais petite. Même là, je suis plus une gamine et j'aime toujours ça. Ça a marché. Il est très bizarre. Il s'étire pas beaucoup et il laisse les mains hyper grasses ou liquides. Alors le truc qui est quand même amusant, c'est qu'on peut gonfler des ballons là-dedans. Donc il faut faire une sorte de rond, prendre la paille, il faut le refermer comme ça et tenir à la base. J'ai l'impression d'avoir un organe, genre un cœur dans les mains. 1, 2... Ouh.
Bon, je vais arrêter de jouer avec ce truc, sinon vous trouvez deux mains toujours en train de faire des bulles. Et dernière chose que je vais tester dans cette vidéo, c'est du sable magique. Il y a écrit « This is not food ». Apply a small impact, it crumbs into bites, it becomes sand again. En fait, quand on solidifie, ça devient hyper compact. Et dès qu'on le casse ou qu'on le tord, ça devient, mais ça s'effondre en fait. C'est incroyable. On dirait de la mousse. Ça s'effondre, regardez. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir passé avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel objet vous a le plus intrigué, celui qui vous donne le plus envie. Et dites-moi si vous voulez que je vous filme la suite de cette vidéo. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.